Bravo. Bravo. Allez, match. Bravo. Allez. Bravo. Ouais. Allez. Un grand bonheur, une étape pas facile, vraiment plein de rebondissements. Mais j'ai su rester dans le bon groupe un peu tout du long, donc je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé toute l'étape, mais c'était vraiment compliqué. Qu'est-ce qui a fait la différence à la fin là, avec Johan? Bah, avec Johan, à un moment donné, on s'est retrouvé mais côte à côte à moins d'une longueur. On s'est même écarté on était tellement près à un moment donné à 50-70 milles de l'arrivée à peu près. Et puis à un moment donné, j'ai réussi à aller un petit peu plus vite que lui et à le dépasser au vent. Et ça s'est joué là sur la fin. Mais sinon, il y a eu des rebondissements tout au long de l'étape. Heureux de cette petite réduction, cette deuxième réduction de parcours? Oui, on n'était pas mécontent que ça se termine là. Vu les orages qu'il y a, ça allait un peu être la loterie sur la fin déjà. On s'est pris un ou deux orages, le vent a complètement tombé, ça a tourné dans tous les sens. Donc je pense que de passer la nuit en mer là, ça nous aurait, après trois jours comme on a déjà passé, ça aurait été une nuit assez agitée. Je suis vraiment très très content parce que c'est la première étape que je gagne. J'étais passé souvent sur le podium, six fois je crois sur le podium d'étape, et à chaque fois ça s'est joué à pas grand chose mais en ma défaveur. Et puis là j'avais le petit coup de plus qui a fait que j'ai réussi à doubler Johan sur la fin. J'avais pas envie de faire deuxième encore une fois. Bon, en tout cas la victoire dans la G2R, peut-être que ça y a eu un petit déclic aussi. J'ai eu un peu de réussite sur cette étape là. Là, cette année, il fallait vraiment pas que je passe à côté. Et donc, c'est une grande pression en moins aussi pour moi, je pense, surtout.